Love thing. Love thing. On va sur le deuxième topo, donc sur l'état du mouvement LGBTI, comment avoir une orientation lutte des classes, qui va nous être présentée par Mélina. Alors on aura l'introduction jusque pendant 20 minutes, suivie du début des débats, qui s'arrêteront à 13h, et on reprendra après la pause, donc à 14h jusqu'à 15h15. Ouais, c'est bon. Ok, super. Pour discuter de l'état du mouvement LGBTI, bon, évidemment, il y a plusieurs choses à essayer de mettre en perspective. Le premier, c'est évidemment de discuter de la situation politique, parce qu'on ne peut pas penser l'état du mouvement LGBTI en dehors de la situation politique, et c'est un peu ce qu'on a vu avec le premier topo. Mais il faut aussi arriver à regarder le temps long. Alors, pour le mouvement LGBTI, peut-être pas si long que ça, mais au moins, on va dire à partir de la moitié du XXe siècle, pour comprendre les évolutions qu'il y a eu. Mais quand on regarde le temps long, il faut pas seulement regarder le temps des dynamiques de lutte, mais aussi de regarder les dynamiques en fait du système capitaliste pour essayer de comprendre comment on en est arrivé là. Parce qu'évidemment, on va dire en tant que marxiste, dans la pensée marxiste, on a une compréhension qu'en fait, tout ça, ça se fait en rapport avec la dynamique du capital et avec comment évolue le système capitaliste. Et y compris les luttes, la lutte des classes, est liée aussi à la situation, on va dire, objective du système capitaliste par exemple, des périodes de crise du système. Alors, nos identités, elles sont matérielles, et quand on dit nos identités, elles sont matérielles dans le sens qu'elles sont construites dans et contre le système tel qu'il se produit, tel qu'il produit des idéologies, tel qu'il produit des normes, tel qu'il produit aussi des rapports familiaux, de sexualité, des rapports cette construction-là. Et donc, et ça, je pense que c'est très important pour nous de le mettre en perspective, parce que en réalité, on le sait, les sexualités homoérotiques, elles ont existé partout, tout le temps, d'un point de vue historique. Mais ça n'a pas vraiment de sens pour nous de les penser comme un truc dans le temps, dans tout système confondu, parce que nos identités à nous, là, présentement, elles sont construites avec ce qu'est le système capitaliste, parfois contre, parfois en étant en partie intégrée. Et c'est en ce sens-là qu'elles sont matérielles. C'est-à-dire qu'on est opprimé, pas parce qu'à un moment donné, par exemple, moi, je me suis définie en tant que lesbienne, mais plutôt parce que, justement, c'est le système qui m'a définie en tant que lesbienne et qui m'opprime parce qu'il estime que ce que je suis est lesbienne, et c'est comme ça que je construis mon identité. C'était un exemple, mais je pense que c'est important. Et du coup, en fait, le capitalisme lui-même se modifie au fil du temps, et nos identités, elles sont liées à la fois à la modification, on va dire, du capitalisme à partir des années du XXe siècle, mais en particulier la seconde moitié du XXe siècle, puisqu'on a une augmentation, on va dire, de la qualification des travailleurs, et donc une sortie en partie, en tout cas pour toute une série de jeunes, la sphère familiale, par les études, mais aussi de pouvoir vivre en dehors du mariage. Et cette modification-là, en fait, permet y compris à nos identités de se faire plus librement, de pouvoir s'émanciper pour toute une série de travailleuses, de travailleurs, d'être un peu en dehors du carcan familial qui avait pu exister auparavant. Ça permet aussi de comprendre comment nos identités, elles se sont modifiées et elles ont été impactées par le capitalisme de la dernière période, qu'on pourrait dire le capitalisme tardif, mais bon voilà, peu importe sa définition, mais en tout cas à partir, on va dire, des dernières années, quoi, à partir la chute du mur, pour le faire vite, et donc les modifications qu'il y a eu.
Et je pense qu'on ne peut pas comprendre l'état du mouvement LGBTI, et y compris ce que nous, on va appeler, ce qu'on a appelé peut-être facilement le postmodernisme, sans comprendre ce que ça signifie en termes de modification du système. Ce que j'entends par postmodernisme, je vais le dire très vite, c'est une idéologie qui ne pense plus le sujet révolutionnaire comme étant la classe ouvrière, quoi, qui pense que c'est la fin en fait de ça, que voilà, la classe ouvrière n'est pas amenée à faire la révolution, voilà, c'est la fin du sujet de classe. On pourra y revenir peut-être dans le débat, mais voilà, c'est par ça que j'entends. Et en fait, on ne peut pas comprendre l'émergence de cette pensée sans comprendre plusieurs éléments, à mon avis. À partir de la chute du mur, on a, en tout cas à une échelle mondiale, la fin de l'hypothèse communiste. Et c'est très important parce que malgré tout ce qu'on peut, nous, en tout cas pour certains d'entre nous qui sommes trotskistes, reprocher au stalinisme, le fait d'avoir cette dualité donnait, en tout cas à échelle large, la possibilité qu'il y avait d'autres possibilités de construction de système. Et à partir de la chute du mur, il y a cette fin à échelle large, en tout cas de l'hypothèse communiste. Pour nous, elle existe toujours, l'hypothèse communiste, bien sûr, mais à échelle large, c'est la fin de l'hypothèse communiste. Et donc, un peu comme si, ça y est, le capitalisme, c'est la fin de l'histoire, on ne peut pas sortir du capitalisme, il n'existe que ce système-là. Et cette fin-là, en fait, a quand même construit, bah, du coup, des réflexes individualistes. On ne peut pas sortir de ce système, donc il va falloir s'adapter à ce système. L'autre élément, c'est aujourd'hui en particulier, on va dire... Ben voilà, en vrai, depuis le CPE, on n'a pas eu de victoire de masse. Et donc, ça construit... ben voilà, les LGBTI sont des travailleuses et des travailleurs comme les autres. Et donc, le fait qu'il n'y a plus de victoire de masse d'un point de vue de la classe, ben, ça donne plus de conscience de classe, d'appartenance à la classe. Parce que, effectivement, la conscience de classe, elle n'est pas individuelle. Elle se crée, y compris par l'expérience collective. Et donc, on sort un peu de ça et on ne se sent plus, y compris même en tant que travailleuse, liée à la classe parce que bah, on est opprimée en tant que personne LGBTI, plus spécifiquement. Et donc, on va construire d'autres possibilités. Et donc, on va avoir un repli sur bah, voilà, ce qui est de l'adaptation au système et qui n'est pas, je ne le dis pas de manière négative, dans le sens c'est mal ou c'est moralement mal, c'est en partie logique. D'essayer de trouver des issues dans l'idée de construire des espaces safe ou communautaires, dans le fait d'essayer voilà, de trouver des possibilités d'adaptation, d'intégration. Et du coup, on a un phénomène de vouloir absolument que tout passe par plus de visibilité. Et si certes la visibilité est extrêmement importante, la visibilité, ça ne suffit pas. Parce que quoi qu'il arrive, quelle que soit notre grande visibilité, en fait le système capitaliste, lui, est capable de s'adapter. Après, ça dépend voilà, de la réaction, etc. Mais bon, voilà, le fait que en série Netflix, il y a des personnes trans, des lesbiennes, des gays, y compris des personnes non-binaires, ne remet pas en cause le système capitaliste. Parce qu'en fait, le capitalisme, lui, est capable de s'adapter à nos identités tant qu'on n'en demande pas trop, tant qu'on ne va pas remettre en cause complètement le système. Et d'ailleurs, c'est très amusant, on peut voir des séries complètement néolibérales qui vont avoir des places, la place de LGBTI dedans, à l'intérieur, avec un discours très queer, identité queer. Et de l'autre côté, en fait, nous dire « mais c'est cool, on peut être un queer chef d'entreprise parce qu'on s'adapte ». Donc voilà, c'est un peu la difficulté dans laquelle on s'est retrouvé. Il y a, je l'ai dit aussi, une partie d'intégration des identités plus intégrées, plus intégrables aussi, par rapport au fait d'avoir eu les batailles sur l'égalité. Encore une fois, les batailles sur l'égalité, les batailles du mariage, les batailles, y compris pour la PMA, même si elle est compliquée, mais en tout cas, ça s'est fait dans toute une série de pays capitalistes occidentaux, et ben, c'est à double tranchant. C'est-à-dire, à la fois, on a eu un phénomène où ça nous a donné des droits, et les droits, c'est pas quelque chose...
enfin voilà, c'est pas quelque chose que qu'il faut regarder négativement en fait, parce que ces droits-là en fait nous permettent y compris de lutter. C'est-à-dire quand on n'a pas les capacités matérielles de lutter, c'est quand même extrêmement difficile de le faire. Et on le voit bien que c'est aujourd'hui une des choses qui se pose, notamment par la précarisation latente des travailleurs et des travailleuses, leur ubérisation, on voit bien que la lutte est plus difficile. Et enfin, il y a un autre phénomène qui explique l'augmentation de ces idéologies, c'est le rapport au mouvement ouvrier. Alors, en fait, le rapport du mouvement ouvrier aux questions LGBTI, aux personnes LGBTI, elle est, pareil, compliquée. C'est-à-dire, à la fois, le mouvement ouvrier, on va dire, révolutionnaire, a en partie été lié dès le départ aux questions LGBTI. On l'a, pour ceux qui, et celles qui ne le savent pas, dans la première phase de la révolution russe, en fait, il y a la dépénalisation de l'homosexualité. Donc, on ne peut pas dire que ça n'a rien à voir, en fait. Mais, on va dire, justement, la bureaucratisation du mouvement ouvrier nous a mis dans une difficulté par rapport au fait que on nous mettait un peu de côté et c'était vu comme quelque chose qui n'était pas une lutte principale, et cet élément-là a rendu de la défiance vis-à-vis des organisations du mouvement ouvrier. Et encore une fois, bah, le fait qu'il n'y ait pas de lutte qui débouche sur des victoires fait que cette défiance elle est encore plus importante, et que par ailleurs la crise, on va dire, des idéologies, la crise politique, ben voilà, les LGBTI sont des personnes comme tout le monde, la défiance vis-à-vis des partis politiques, des organisations politiques, elle est dans l'ensemble de la société. Et du coup, c'est aussi ces éléments-là qui, l'ensemble de ces éléments-là qui conduit à distancier, on va dire, le mouvement révolutionnaire du mouvement LGBTI. Pardon, je regarde un peu le temps qui me reste. Ok, ça va aller. Et du coup, en fait, je dirais que le mouvement, ça se discute, le mouvement LGBTI, aujourd'hui, il est en difficulté, parce qu'en fait, il est aussi entre deux politiques qui ne nous vont pas. Il est aussi, en fait, entre à la fois une politique réformiste qui a beaucoup joué sur la question du lobbyisme, et on en discutait à plusieurs reprises dans la commission, par exemple, sur le fait qu'aujourd'hui, toutes les politiques réformistes autour de la PMA conduire à essayer de faire du lobby pour penser que, vous savez, les familles LGBT, en fait, finalement, c'est des familles hétéro comme les autres. Et nous, évidemment, on est en désaccord total avec ça, puisqu'en fait, on pense que les familles LGBTI, c'est mieux, en fait. Mais oui, c'est mieux, parce que, évidemment, on pense, alors c'est, évidemment, c'est pas fini, et y compris, c'est pas parce qu'on est une famille de lesbiennes qu'en fait, on est tout d'un coup une famille révolutionnaire, et qu'il n'y a plus du tout le cadre de la famille hétérosexuelle, parce que le cadre de la famille hétérosexuelle, malgré tout, il est dans le système tel qu'il est aujourd'hui. Donc évidemment, on reproduit en partie des schémas hétérosexuels, qu'on le veuille ou non, enfin dans tous les cas, des schémas oppressifs, etc., pour tout ça, pour avoir réellement des cadres d'émancipation, il faudrait changer de système complètement. Mais donc, ça se joue, ça se concentre sur une politique de lobby, et en fait, on est à ce truc-là est à bout de souffle. Et donc, la politique réformiste autour du mouvement LGBTI, elle est à bout de souffle, en fait, comme toutes les politiques réformistes aujourd'hui, dans l'ensemble de la société, y compris sur les questions de travail, y compris en politique, parce que le système est complètement en crise. Et donc, il n'y a pas de victoire, y compris réformiste, au sens... Et donc, on le voit, il est à bout de souffle, et du coup, il ne nous convient pas. Et de l'autre côté, en fait, se fait en opposition quasiment symétrique, et souvent ne veulent pas se parler, un espèce d'hyper-radicalisme, on va dire de gauchisme puriste, mais qui est lié à la réfraction de la lutte des classes, de fragmentation de l'ensemble de nos identités, et chacun, on va dire, va lutter autour de sa petite identité pour y être visible, pour avoir une place, mais en oubliant que, avant tout, il faut chercher à obtenir des victoires matérielles, parce que, un, c'est dans la lutte qu'on s'émancipe, c'est dans la lutte qu'on augmente la conscience, et c'est surtout par ces victoires-là qu'on augmente le rapport de force en notre faveur, et donc qu'on peut potentiellement être, à des moments donnés, l'étincelle qui permet de passer, on va dire, pour faire une formule un petit peu éculée, passer de la révolte à la révolution. Et du coup, là-dedans, dans tout ça, il faudrait parler de plein d'autres choses, mais
comment avoir une orientation lutte de classe. Alors je jette des pistes comme ça et puis après on en débat. Première chose, c'est de dire, nous en tant que, encore une fois, communistes, marxistes, révolutionnaires, anticapitalistes, on est pour l'émancipation de toutes et tous. Et c'est important de le dire, en fait, nous ne luttons pas, nous luttons évidemment pour la classe ouvrière, nous nous sentons dans le combat de la lutte de la classe ouvrière, mais nous ne pensons pas que nous nous battons pour la classe ouvrière, nous pensons que nous nous battons pour changer de société. Et c'est super important de le dire, parce qu'en fait on est pour le bonheur, mais on pense que, le bonheur universel, mais on pense que c'est la classe ouvrière qui est la plus à même d'être cet élément de déclenchement de la révolution et de construire une autre société. Et donc, on est pour l'émancipation de toutes et tous, on est pour la fin des oppressions, pas parce que on veut un cookie et qu'on pense que les femmes, c'est la moitié de la société, même si ça l'est, par exemple, sur la question féministe, mais aussi parce que on pense que c'est juste et que la société qu'on veut avoir, on veut pas qu'elle soit une société qui soit plus juste pour les travailleuses et les travailleurs, mais quand même on continue à opprimer les femmes. Ça n'aurait pas de sens pour nous. C'est par ces éléments-là qu'on est pour l'émancipation de toutes et tous. Et pour nous, les questions de sexualité, les questions de genre, les questions de normes, elles sont intrinsèquement liées à une société plus juste et égalitaire qu'on veut. Et donc, en fait, lutter sur les questions LGBTI, c'est aussi lutter pour l'émancipation de toutes et tous. Donc, les luttes LGBTI construisent une émancipation sexuelle pour l'ensemble de la société, par exemple. Et pas d'ailleurs que juste pour les personnes qui aujourd'hui se définissent LGBTI dans la société. Deuxième élément, évidemment, ça semble logique entre nous de se le dire, mais je pense quand même qu'il faut le rappeler, les LGBTI, c'est pas des bourgeois, la majorité des LGBTI sont des travailleuses et des travailleurs, sont précaires, sont pauvres, sont des personnes racisées, et donc, même si, on l'a vu, l'intégration des identités LGBTI, en tout cas une partie d'entre elles, au capitalisme, a permis que toute une série de LGBTI ait effectivement accède à une part du capital. Mais ça s'est vu aussi chez les femmes, en fait. Hein. Une partie des droits qui ont été gagnés ont fait qu'effectivement, il y a aussi maintenant, beaucoup plus qu'avant, des LGBTI qui sont aussi des bourgeois, des femmes qui sont aussi des bourgeoises. Et donc, oui, mais les LGBTI font partie de la classe ouvrière. Deuxième élément troisième élément qui, à mon avis, est important pour avoir une orientation de lutte de classe, c'est qu'en fait, on est révolutionnaire, on veut faire la révolution, on veut changer de société. Et c'est super important de le dire, on ne pense pas qu'on change la société en créant des collectifs qui nous permettent d'être bien. Ça peut être quelque chose de positif pour les gens, d'avoir des collectifs ou des espaces communautaires pour être bien, mais on ne pense pas que ça suffira à être bien. Sinon, ça se saurait. Tout le monde pèterait la forme en ce moment. Et il n'y aurait pas tout ce qu'il y a en ce moment autour des suicides dans la communauté, le fait d'être mal, d'en être en partie rejeté à certains moments donnés, etc. Et donc, en fait, on pense que ça, notre émancipation, ne viendra que par la révolution. Et donc, il ne suffit pas de dire être révolutionnaire pour être révolutionnaire. Mais on pense, du coup, que la classe et donc que les travailleuses et les travailleurs sont le meilleur outil pour faire cette révolution. Mais encore une fois, si ça intègre les questions LGBTI et féministes et antiracistes, parce que sinon, un, c'est impossible d'unir la classe, et deux, la société qui sera construite derrière ne sera pas forcément celle dont on a envie. Et le dernier élément, je pense que pour avoir une orientation lutte de classe, il faut revenir à une analyse matérielle des oppressions et des identités. Parce que sinon, en fait, on se trompe tout le temps de quel est, en fait, contre quoi on se bat. Parce qu'en fait, si on n'arrive pas à rendre matériel ces éléments-là, en fait, on efface derrière ce qui construit et ce qui sont les structures de l'oppression. Et en faisant ça, bien sûr que le mec straight en face de moi, les trois quarts du temps, il m'opprime en tant que lesbienne, mais si on n'arrive pas à comprendre comment les structures se mettent en place, on a tendance à changer les rapports de système en des rapports
intra-individuel et c'est là où on en est. Et le problème, c'est qu'il faut arriver à en sortir et il faut que nous, en tant que commission, on soit ceux qui ont cette compréhension-là pour tirer le mouvement LGBTI en dehors de ça. C'est fini.